une histoire qui m'a quand même rendu triste. Une jeune femme est venue pour accoucher ou un diagnostic de disproportion fœto-pelvienne a été posé. Ça veut dire que l'enfant ne pouvait pas sortir. On l'a amené en province à Koudougou et arrivé là-bas, il dit non, qu'il y a le bloc, il manque du matériel et du personnel. La femme devait alors acheminer jusqu'à Ouagadougou. Et en cours de route, elle meurt. Ça m'a attristé parce que c'est une jeune fille qui meurt sans enfant et avec son enfant dans le ventre. Cette histoire m'a attristé. Ce que j'allais faire encore, c'est faire beaucoup de centres, équiper le matériel pour que la sage-femme soit réellement en forme dans son centre pour bien s'occuper des femmes.